Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Tenorshare. Dans votre vie quotidienne, vous pouvez rencontrer cette situation. Vous devez transférer des vidéos de votre téléphone Android vers votre iPhone. Quelle méthode utilisez-vous habituellement? Faites-moi savoir dans la section des commentaires. Je vais partager trois méthodes que j'utilise habituellement. Méthode 1, utilisez Google Photo App. Ouvrez l'app Google Photo sur votre téléphone Android. Ensuite, nous devons sauvegarder nos photos. Nous pouvons vérifier la progression à tout moment pendant le processus de sauvegarde. Une fois la sauvegarde terminée, ouvrez également l'app Google Photos sur votre iPhone. Connectez-vous au même compte Google. De cette façon, nous pouvons obtenir la même vidéo sur notre iPhone. Sélectionnez celle que vous voulez sauvegarder et enregistrez-la dans un album iPhone. De cette façon, nous pouvons également le visualiser dans l'album. De même, Google Drive peut être utilisé pour transférer des vidéos de manière similaire, alors essayez par vous-même. Méthode 2, utilisez iCarPhone pour transférer des vidéos. Cette méthode est plus adaptée au transfert d'un grand nombre de vidéos. Connectez d'abord votre téléphone Android à votre ordinateur. Retrouvez votre téléphone Android sur l'ordinateur. Trouvez la vidéo que vous voulez transférer. Copiez ensuite la vidéo que vous souhaitez transférer sur le bureau de votre ordinateur. Une fois les étapes ci-dessus terminées, connectez votre iPhone à l'ordinateur. Ouvrez iCarPhone sur votre PC. Cliquez sur Gestion des fichiers. Sélectionnez Import. Sélectionnez le dossier vidéo correspondant. Attendez quelques secondes pour que l'importation soit réussie. Ensuite, nous pouvons voir toutes les vidéos sur notre iPhone. N'est-ce pas rapide et facile? Cette méthode est payante, donc si vous ne voulez pas dépenser de l'argent et ne craignez pas de réinitialiser votre iPhone, vous pouvez aussi essayer migrer vers iOS. Lorsque nous configurons un nouvel iPhone et arrivons à l'étape du transfert de données, vous pouvez voir une option « Migrer des données depuis Android ». Touchez-le. Ouvrez ensuite « Migrer vers iOS » sur votre téléphone Android. Cliquez sur « Continuer ». Sur le téléphone Android, entrez les 6 chiffres qui apparaissent sur l'écran de l'iPhone. Sélectionnez Phototech. Puis attendez un moment. Continuez avec les configurations suivantes de l'iPhone. Bien sûr, toutes nos vidéos ont été transférées. Cette méthode peut prendre du temps s'il y a beaucoup de vidéos. La deuxième chose est que l'iPhone doit être réinitialisé afin de transférer. Quelle méthode préférez-vous? Faites-moi savoir dans la section des commentaires. À bientôt!